d'être présent. Donc c'est la quatrième édition de la conférence générale de l'Association française transhumaniste. On en fait à peu près deux par an pour l'instant. Cette fois, nous avions envisagé, enfin c'est ce que nous avons fait, nous avons abordé les choses, disons, sous un double angle d'attaque. D'une part, nous avons choisi d'essayer de voir qu'est-ce qui paraissait en ce moment dans les publications, dans les ouvrages, les livres, voilà, tout ce qui pouvait être essais ou romans, tout ce qui a été sous forme de littérature, qui intéressait le transhumanisme ou qui s'intéressait au transhumanisme. Donc on a essayé de suivre ces publications sur à peu près une année entière, un petit peu plus, 12 à 15 mois, et tous les ouvrages dont on va parler, dont on entendra parler aujourd'hui, donc voilà, ce sont des ouvrages récents en langue française. Alors, il en est paru un bon nombre quand même dans ces 12-15 derniers mois. Nous, on en a identifié entre une dizaine, une quinzaine à peu près. Bon, il y en a sans doute un bon nombre qui nous ont échappé aussi. Mais on aurait pu présenter des ouvrages comme ceux de Laurent Alexandre, qui sont sortis au mois de mai-juin l'année dernière. La mort de la mort, un essai donc de 2011, mai-juin 2011. Et Google Démocratie, un roman qu'il a publié avec le journaliste David Angevin, à peu près à la même époque. Également en 2011, on a vu sortir des analyses comme Humain, une enquête philosophique de Monique Atlan et de Roger-Paul Droit, ou encore Bienvenue en transhumanisme, donc là qui était vraiment directement dans le sujet, de Monique Atlan. Également celui-là avec Jean-Didier Vincent, donc ça c'était à la fin de 2011, octobre 2011. Un autre ouvrage signé Jean-Didier Vincent et Pierre-Marie Liédot avait attiré notre attention, qui était Le cerveau sur mesure, un peu plus tourné sur les sciences cognitives, et dans la dernière partie s'ouvrait tout à fait au questionnement transhumaniste. Récent également, le livre de Cyril Fievé, Body Hacking, qui met en lumière les cas déjà existants de personnes pratiquant sur eux-mêmes des interventions, transhumanisme in live, vraiment vécu dans leur propre chair. Ensuite, autour de ces exemples, ils développent toute une réflexion. Et bon, on n'a pas épluché toute la rentrée, tout ce qui est paru à la rentrée littéraire, donc on a sans doute oublié pas mal de choses. Mais on avait quand même fait ce survol-là. Aujourd'hui, nous sommes heureux, normalement, j'ai envie de dire, enfin, nous espérons bien accueillir tout d'abord monsieur le professeur Miroslav Radman, professeur à l'université René Descartes, directeur de recherche à l'INSERM et membre de l'Académie des sciences, qui nous présentera le résultat de ses travaux, qu'il a présenté à travers un ouvrage qui est plus grand public, si je puis dire, même si certains passages sont un peu plus techniques, c'est un ouvrage qui est destiné à être largement lu, donc qui s'intitule « Au-delà de nos limites biologiques, les secrets de la longévité », donc qui est paru également au milieu de l'année dernière. Monsieur Daniel Philippe de Sudre, donc on entendra peut-être plus tôt finalement, chercheur en neurosciences, pour son roman, donc ici il s'agit d'un roman qui s'appelle « Les enfants de demain » ou « L'étrange et très secret projet HP1 », qui lui est de parution plus récente, 2012. Cet après-midi, nous devons entendre Jean-Michel Besnier, qui est professeur de philosophie à la Sorbonne, à Paris 4, pour son ouvrage qui vient à peine de paraître, ça fait 15 jours à peu près qu'il est dans les librairies, intitulé « L'homme simplifié ou le syndrome de la touche étoile ». Je ne rentre pas plus dans les détails. Et enfin, M. Rémi Sussan, journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies, pour l'essai qu'il a écrit en collaboration avec Hubert Guillot, de Internet Actu, intitulé « Est-ce que la technologie sauvera le monde ?» et qui est donc de parution fin 2011, décembre 2011, à peu près, si je me souviens bien. Ça, c'est à peu près notre programme. Maintenant, je pense que je peux encore prendre le temps
de vous dire un mot plus général. Je disais double angle d'attaque, parce que il nous a également paru constatable que la quasi-totalité des ouvrages et des auteurs que nous avons envisagés pour cette conférence, même lorsqu'ils s'intéressaient à des domaines techniques bien délimités, comme la biologie cellulaire ou l'étude du cerveau ou autre, eh bien qu'ils ne pouvaient jamais s'empêcher de réfléchir, et bon, c'est plutôt salutaire, aux conséquences sociales de leur découverte, aux conséquences potentielles de leur découverte. Et donc c'est à partir de là où on s'est quasiment amené à se dire, mais est-ce qu'il s'agit seulement d'augmenter l'individu ? Tout ce monde-là entend vraiment, donc, quand il réfléchit à des notions qui touchent au transhumanisme, en fait, est-ce que vraiment toute la société n'est pas systématiquement concernée ? Et à la limite, est-ce qu'il ne faudrait pas changer le H+ dans les logos ou les titres des organisations pour mettre un S+ et s'appeler Society Plus au niveau international. Bon, c'est juste une manière de dire que la réflexion s'élargit très très vite, à partir de techniques même parfois très, très précises. Avec quand même le pendant que dans ces ouvrages, on verra que certains se posent la question de savoir si les espoirs que les transhumanistes mettent dans les technologies de la convergence NBIC ne seront pas peut-être rapidement déçus. C'est un avertissement que semble adresser des auteurs, me semble-t-il, comme Hubert Guillot notamment, ou Jean-Michel Besnier, ils nous le diront eux-mêmes, enfin en tout cas Jean-Michel Besnier cet après-midi. Mais d'un point de vue transhumaniste, du point de vue des transhumanistes, et en plus de ça, de transhumanistes qui affirment également qu'ils sont technoprogressistes, eh bien, nous estimons que nous devons rechercher des pistes qui doivent nous permettre d'aller vers une société plus, pas vers une société moins. Alors, chaque fois que notre monde a abouti à moins d'humanité, à moins de liens sociaux du fait de la technologie, eh bien, pour ce qui nous concerne, ça nous paraît entrer en complète contradiction avec nos aspirations. Donc, en tant que techno-progressistes, voilà ce que nous nous disons. À nous d'imaginer les voies qui peuvent permettre, à partir de cette convergence technologique, d'aller vers une véritable société plus. Mais, pour réfléchir, on est obligé, on doit réfléchir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que pourrait bien être ? À quoi pourrait bien ressembler donc cette ou ces sociétés d'ailleurs, il faut éviter je pense de parler au singulier même quand on parle de transhumanisme. D'un point de vue techno-progressiste, qu'est-ce que ça pourrait signifier? Alors je veux juste essayer de poser quelques jalons, comme ça, quelques repères de notre réflexion pour mettre un petit peu en perspective tout ce qui va nous être dit aujourd'hui, dans lequel on pourra je pense piocher encore beaucoup d'autres idées. Premier jalon, si vous voulez, premier élément important, si on veut se projeter, la question de l'accessibilité aux technologies, de l'augmentation et de l'amélioration humaine. Même au sein des transhumanistes et même au sein des transhumanistes techno-progressistes, nous pouvons ne pas être tous d'accord sur la politique ou sur les politiques qui seraient les plus à même de garantir au mieux l'accès, cet accès de manière, cette égalité d'accès. Et comme d'autres, nous nous répartissons sur le champ politique. Les uns misent davantage sur le libre marché, ou les autres font davantage confiance à l'intervention de la puissance publique, de la collectivité, pour assurer la répartition et ce libre accès. Mais ce qui demeure essentiel, et je pense qu'il nous rassemble en tant que techno-progressistes, c'est que nous ne supportons pas la perspective d'une société transhumaniste où une fracture sociale dans l'accès à la technologie serait considérée comme allant de soi. Ça ce n'est pas notre manière de voir les choses. Je dis bien, j'insiste bien sur la dimension techno-progressiste parce que dans le transhumanisme, les courants sont très divers et pour être exact, historiquement, c'est un mouvement de pensée qui a émergé essentiellement aux États-Unis dans les années 70, à la fin des années 70, début des années 80. C'est là qu'il a commencé vraiment
à s'organiser. Et à cette époque-là, eh bien, il baignait dans un milieu qu'on peut peut-être qualifier de libertarien, au sens, disons, plus américain, hein, plus du terme. C'est-à-dire aussi bien du point de vue des mœurs que du point de vue de l'économie, par exemple, on était dans cette mouvance-là. Et encore aujourd'hui, il semble que ce soit une tendance dominante, notamment dans le transhumanisme anglo-saxon, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. Ça n'est pas uniforme, ça n'est pas une très très large majorité, mais cela semble encore dominant. Et quand on entend parler de transhumanisme en France, eh bien, souvent, dans un premier temps, on entend parler de ce transhumanisme-là. Tout à fait exact, je dois peut-être également préciser qu'il est bien mieux financièrement doté. Ce qui fait qu'on entend davantage parler, on voit davantage ses effets. Mais ensuite, quand on se met à écouter plus précisément tout ce qu'il y a à lire, tout ce qui se dit dans la nébuleuse transhumaniste, eh bien, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus diverses que cela. L'organisation française Technoprog, eh bien, elle s'inscrit dans une direction assez distincte, pour ne pas dire même très distincte. Donc, c'est ce que nous appelons le technoprogressisme. Alors, voilà, cette question de l'égalité d'accès, par exemple, eh bien, pour nous, elle va de soi et c'est un quasi-engagement politique, au sens premier du mot politique, hein, et qui va de pair, je pense, avec notre engagement, notre militantisme, je pourrais dire, pour le transhumanisme. Deuxième jalon, qui est déjà étroitement lié au premier, la question de l'accessibilité à la connaissance. Dans une société où les sciences et la technologie sont amenées à prendre une place sans cesse plus importante, pensons-nous, il ne peut y avoir ni liberté individuelle, ni plein épanouissement de soi, de sa créativité, sans une connaissance et une maîtrise suffisante de cet environnement scientifique et technologique. La perspective continue d'une vie plus longue, voire bien plus longue, en bonne santé, eh bien, nous pensons qu'elle doit se traduire non pas par le seul allongement de la durée de travail, par exemple, ou de la durée de la recherche de travail, hein, pour ceux qui n'ont pas la chance d'en avoir rapidement, non, mais par une alternance entre des périodes d'activité, il faut reconsidérer sans doute ce concept, et des périodes longues d'éducation et de formation, pas seulement une éducation, une formation initiale, et sans doute aller bien au-delà de ce qui est conçu actuellement en termes de formation tout le long de la vie. C'est pas évidemment une notion qui existe déjà, mais il nous semble qu'il faut aller bien au-delà, et en considérant que ces temps de retour à la connaissance, on pourrait sans doute envisager qu'ils soient garantis, comme l'est l'éducation scolaire, par la collectivité. Donc c'est un deuxième point de réflexion. Un troisième repère que c'est de poser concerne davantage la question de la liberté, et notamment la liberté d'accès au savoir et aux techniques. Alors, pareillement, nous pouvons comprendre que dans une économie moderne de marché, n'est-ce pas, l'assurance de pouvoir profiter d'un monopole du savoir, d'une technique, eh bien, elle peut constituer un puissant moteur d'innovation et de créativité. Mais nous considérons que ce facteur de motivation, il ne doit pas exister au point d'entraver la liberté ou la créativité d'autrui. Et par ailleurs, pour ce qui touche à l'essentiel de l'humain, à sa liberté de penser, à son identité individuelle, eh bien, il ne saurait être question de monopole du savoir dans ces domaines-là. Disons-le autrement, toute brevetabilité ne peut être que limitée, voire très limitée. Et la brevetabilité de tout ce qui touche au vivant, et notamment au vivant humain, nous paraît devoir être très circonscrite, voire interdite dans certains domaines. Et en disant cela, je dis, soyons bien conscients que cela ne concerne pas seulement le domaine de la biologie. Convergence technologique tout à l'heure, à partir du moment où les micro ou les nanotechnologies, peut-être demain, ou les techniques de l'information, déjà aujourd'hui, ou la robotique, etc., à travers la bionique,
commence à s'immiscer dans le corps humain, eh bien les acteurs qui promeuvent ces technologies, publics ou privés, je pense qu'ils doivent reculer ou au moins restreindre grandement leurs exigences. Peut-être exigences de contrôle, exigences de ce que vous voulez, d'information. Ils doivent les restreindre pour laisser la priorité absolument et même garantir la liberté d'accès aux codes sources, aux techniques en général, que le savoir soit accessible. Quatrième jalon, également lié au précédent, la question du respect de la liberté individuelle. Je viens d'en parler, mais il me semble que la réflexion transhumaniste porte à un degré inédit la question du respect de la liberté individuelle. Parce qu'à partir du moment où nous imaginons être capables d'intervenir progressivement dans tous les compartiments de ce qui fait l'humain, eh bien nous pouvons et nous devons nous demander si nous n'allons pas déterminer l'individu, le rendre entièrement contrôlable. Nombre de philosophes nous alertent et même hurlent parfois leur horreur devant une telle perspective. Je pense qu'il est absolument nécessaire d'être très attentif à ces alertes. Enfin, souvent les technoprogressistes sont les premiers à les lancer. Mais je pense que nous n'avons pas vraiment d'autre alternative que de lutter au maximum de nos moyens individuels et collectifs pour défendre la liberté de nos existences. Parce que même si demain, un individu conscient de genre humain, je vais dire, est issu d'un processus de création entièrement maîtrisé, cela n'empêchera pas qu'à partir de l'instant arbitrairement décidé de sa venue au monde, il sera une personne digne de droit et libre de son propre destin. Il devra à son tour bénéficier du droit à disposer de son corps, du respect de sa vie privée, de la garantie de son libre arbitre, de la liberté de définir à sa guise sa propre identité. Je pense que c'est à cette seule condition que nous pourrions parler d'une véritable société, plus de société améliorée du point de vue de chaque individu. Donc la liberté individuelle ne peut que continuer à être un des flambeaux, si vous voulez, d'une éventuelle avancée techno-progressiste. Cinquième jalon, la question très commune aujourd'hui des équilibres environnementaux. Il va de soi que la progression technologique et même la progression sociale n'ont pas de sens si elles se font au prix d'une dégradation telle de notre environnement que notre existence même s'en trouve menacée. Ça n'a pas de sens. Cela dit, la prise de conscience écologiste et sanitaire a été tardive. Tout le monde à peu près s'en accorde aujourd'hui et même encore on a tendance à considérer que les choses ne vont pas assez vite, qu'au niveau politique les blocages restent énormes et elle n'a pas forcément encore atteint toutes les strates, tous les milieux industriels par exemple. Qu'en est-il dans les laboratoires? Il n'est pas forcément évident qu'on soit partout arrivé à une prise de conscience entière. Donc il nous faut encore chercher cet équilibre, le meilleur équilibre possible entre le progrès, la recherche et la technologie d'une part, et puis d'autre part les garanties d'un principe de précaution, mais qui ne soit pas sclérosant, comme tend peut-être parfois à l'être celui qui a été constitutionnalisé en France. Non, un principe de précaution qui soit rationnellement et raisonnablement appliqué. À ce jour, il nous semble quand même que, pour revenir à la nécessité de ce besoin d'équilibre, il nous semble que les budgets attribués dans la recherche à la question des risques restent dramatiquement faibles. Les chiffres auxquels j'ai eu accès, c'est autour de 3%, 2-3% peut-être aux États-Unis, peut-être jusqu'à 6-7% en Europe, notamment en France, dans certains domaines, je dis bien par de la recherche dans l'anticipation des risques. Ça nous paraît
plus qu'insuffisant, enfin dérisoire. Et ça n'est pas seulement insuffisant pour permettre une réelle prévention, ça nous paraît insuffisant pour être crédible auprès d'un public qui, en partie, peut être effrayé par les médias à sensation, et en partie rendu exigeant, à juste titre, par toute une série de catastrophes sanitaires qui se sont accumulées ces dernières décennies. Or, pour rendre acceptable la prise de risque qui nous semble inévitable dans une société qui se veut en même temps dynamique, eh bien, il faut convaincre qu'on met vraiment tout en œuvre pour circonscrire, ou au moins pour prévenir ces risques. Et pas seulement des discours, des actions, du budget. Donc, ça, c'est un autre point qui nous paraît tout à fait essentiel. Avant-dernier point, quelque chose peut-être d'un petit peu plus personnel, je dirais. Enfin, bien que ce soit tout à fait discuté, il y a eu, il y a quelques mois, début de l'été, en Sorbonne d'ailleurs, un atelier sur le sujet, la question de l'augmentation morale. D'un aspect peut-être où, enfin, il faut être un petit peu plus audacieux. À titre personnel, je propose ce repère et j'invite à considérer que, bon, d'abord, il repose sur l'idée que on peut considérer que nos relations sociales contemporaines, eh bien, elles sont encore largement déterminées par des dispositions mentales génétiquement adaptées à une période bien lointaine, aux conditions d'existence qui étaient celles du paléolithique. Du point de vue de l'évolution dont on parlait tout à l'heure en introduction, génétiquement, on en est encore à peu près par là. On est toujours Homo sapiens. Et tout autant que Cro-Magnon, on va dire, eh bien, nous restons peureux, agressifs. Et la peur de la mort, notre angoisse existentielle, se traduit facilement par qui a été appelé, par exemple, déjà dans les années 70 par Henri Laborie, le besoin de dominance. Et ce besoin de dominance, eh bien, on peut considérer qu'il est à l'origine de bien des souffrances, de bien des incompréhensions. Et il est quotidien, il est permanent. Peut-être est-ce que moi, là, je suis en train d'essayer d'une certaine manière de m'imposer à vous en cherchant un style, un ton de voix particulier, parce que sans m'en rendre compte, je suis motivé aussi par ce genre de problème en arrière-plan. Seulement, cela fait, à peine une dizaine de milliers d'années que la sédentarisation et l'accumulation des techniques ont bouleversé complètement nos conditions d'existence sociale. Et ce qui était vertu, il y a 10 000 ans et plus, l'aptitude à tuer, par exemple, très utile, eh bien, maintenant, c'est considéré comme un facteur de risque. L'individu qui est à côté de vous, que vous sentez comme meurtrier en puissance, eh bien, vous allez le considérer comme un criminel en puissance. Donc, d'une manière peut-être un peu paradoxale, la question c'est, nous ne sommes peut-être plus adaptés, nous-mêmes, aux conditions sociales que nous avons nous-mêmes développées. Et c'est comme ceci, peut-être que nous nous sommes contraints, depuis des siècles, des millénaires, à lutter contre notre, entre guillemets, notre nature, par toutes sortes d'artifices. Ces artifices, peut-être des tabous, des mythes, l'éducation, la loi. Et bien sûr, tout cela, c'est de tout cela, ou en grande partie de tout cela, que résulte ce que nous appelons la culture. Mais quand nous tournons, quand moi je me tourne vers le passé, et notamment si je me tourne simplement sur le XXe siècle, et que je me pose la question du bilan, eh bien, je me retrouve devant de terribles interrogations. À côté de toutes nos réalisations intellectuelles et matérielles, eh bien, il me paraît que nous n'avons toujours pas réussi à nous débarrasser
des inégalités, des exploitations les plus insupportables, de la haine intercommunautaire, de la guerre. Et notre humanité ne semble jamais bien loin de pouvoir replonger dans la barbarie. Or, il se pourrait que nous devenions, que nous soyons déjà en train de devenir en mesure de rajouter une autre approche à l'éducation ou à la loi. Le jour où nous aurons suffisamment bien compris les mécanismes qui provoquent, qui régulent nos émotions, nous pourrions, qui sait, parvenir à intervenir de façon subtile, de manière à pacifier nos mœurs, tout en préservant, bien sûr, notre inventivité, notre liberté de penser. Il s'agirait bien, à mon avis, de se rapprocher ou de perpétuer les idéaux de l'humanisme, ceux de la Renaissance. Simplement, maintenant, c'est grâce à l'apport de la technique directement dans l'humain. Parce que, voilà, d'un point de vue technoprogressiste, une société améliorée doit signifier plus d'empathie, plus de solidarité, de manière générale, plus d'humanité. Et pour terminer cette introduction, une dernière pierre que je poserai dans un coin, à l'entrée de cette journée, c'est la question de la résilience ou de la robustesse de l'humanité en tant que collectivité. Donc, d'une autre façon, cette question, elle peut simplement se poser en demandant bon, à quoi bon tout cela, tout ce dont je viens de parler, tout ce à quoi s'intéressent les transhumanistes, à quoi bon. Je pense vraiment que pour l'essentiel, la pensée transhumaniste est tendue vers la réponse à cette question-là. Qu'est-ce que nous pouvons bien faire pour que l'humanité assure au mieux sa pérennité, pour que l'aventure de la conscience, du savoir, de la culture se poursuive avec les meilleures chances possibles et pour une durée indéterminée. C'est peut-être que nous autres êtres vivants, dotés, probablement par hasard, de ce niveau de conscience auquel nous sommes parvenus aujourd'hui, en tant que représentants du vivant, hein, simplement, eh bien, nous avons commencé à comprendre que rien ne nous est peut-être au fond plus précieux que l'espoir, au moins l'espoir qu'une conscience humaine, ou au moins une conscience d'origine humaine, puisse indéfiniment exister. Parce que si cet espoir venait à mourir, si nous devions demain, après-demain, acquérir la certitude que tout allait être fini, eh bien, j'amène à se poser vraiment la question, qu'est-ce qu'il resterait de sens à nos existences ? Que nous le sachions dans un jour, dans un mois, dans une année ou même 10, si nous étions absolument persuadés qu'il n'y aurait plus rien pour se souvenir, peut-être même plus aucune trace, ou plus rien pour être capable d'interpréter et lire les traces de ce qu'aurait pu être la culture ou la civilisation humaine. S'il n'y a plus rien, qu'est-ce qu'il reste comme sens ? Si au contraire nous pensons que cet espoir, nous devons le nourrir, eh bien, il me semble que nous ne pouvons le faire que collectivement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'améliorer et d'augmenter l'humain afin d'améliorer notre société, pour encore une fois maintenir, perpétuer cet espoir d'existence. En tout cas, c'est la réflexion que je vous propose et que nous vous proposons pour aujourd'hui. Ça peut être un fil directeur tout le long de cette journée, si vous le voulez. En tout cas, voilà, moi je vais m'arrêter là. Il est 10h, ce qui est le temps que nous avions prévu pour donner la parole à nos premiers invités aujourd'hui. Donc je rappelle simplement rapidement comment nous avons procédé, comment nous avons prévu de procéder. Donc, dans un premier temps, à chaque fois, nous aurons l'intervention d'un auteur qui présentera son dernier ouvrage. Cette présentation donc, va durer entre une demi-heure, trois quarts d'heure. On va peut-être être amené à jongler avec le temps.
Puis, donc, nous verrons, nous attendions quelques journalistes, je ne sais pas encore si finalement certains auront fait la démarche ou pas encore. Donc, il avait été envisagé de leur donner la parole dans un premier temps, parce qu'ils étaient censés avoir travaillé les ouvrages un petit peu en amont, mais on verra ce qu'il en sera. Et dans un deuxième, troisième temps, nous ouvrons bien sûr le débat à l'ensemble de la salle. Voilà. Donc, je ne la fais pas plus longue, je donne la parole directement à notre premier invité, donc M. Daniel Philippe de Sudre.